Bonjour amis lecteurs, joueurs et lectrices joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr. Aujourd'hui, on va parler du deuxième Mon Puzzle Aventure. Celui-ci fait suite à Dragon, ce sera Terre Ocre. Ce sont des jeux puzzle qui racontent une histoire. C'est de 5 à 10 ans, c'est chez Gameflow Edition. On a au niveau de ceux qui ont inventé ce concept, Antonin Bocara et Romaric Gallonnier. Pour la scénarisation de cette aventure, on a Mathilde Malburet et Fabrice Lamouille. Et pour les illustrations, on a Thibaut Kreiber. Le jeu Mon Puzzle Aventure Dragon a été récompensé lors du Festival International des Jeux de Cannes avec l'As d'Or dans la catégorie Enfant. C'est amplement mérité puisque ce jeu apporte une nouvelle mécanique de jeu qui est un mélange de puzzles puisqu'on va commencer par construire le puzzle. Ensuite, on a une espèce de cherche-trouve où il va falloir chercher d'abord notre esprit sur ce puzzle. Ensuite, on va retirer la pièce, lire le verso. Et là, on va commencer une aventure. Donc, par exemple, organiser une fête dans le village. Vous devez aller trouver tel ingrédient sur le puzzle. Vous allez chercher cet ingrédient. Ça va être une nouvelle pièce de puzzle à récupérer et ainsi de suite. Ce qui est absolument génial pour les parents, c'est que les pièces du puzzle, au fur et à mesure, sont rangées dans la boîte. C'est-à-dire que quand les enfants ont terminé le jeu, le jeu sera rangé. C'est pas génial, ça? Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc à chaque fois, on a trois aventures différentes. Il va y avoir une aventure ici avec l'esprit végétal, une aventure avec l'esprit animal, une aventure avec l'esprit des ancêtres. Et trois aventures différentes avec en plus à la fin des petits bonus pour chercher des choses supplémentaires pour ceux qui en voudraient encore plus. Alors est-ce que c'est bien? C'est très bien à chaque fois, c'est vraiment hyper agréable à jouer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est à jouer pour moi en famille. J'y ai joué avec ma fille de 9 ans bientôt. Et on s'amuse vraiment à chercher sur ce puzzle les bonnes pièces. Le défaut du jeu, c'est que c'est relativement court. Et comme c'est bien, on a envie d'en avoir encore, encore et encore pour avoir d'autres aventures. Donc j'espère qu'il y aura d'autres boîtes de cette collection. En tout cas, c'est un jeu que je vous conseille, c'est un beau cadeau. Et ben voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner. Je vous dis à bientôt, merci, bye bye.